On propose de résoudre le système d'équations suivant. Y est égal à 4x moins 17,5, première équation. Et deuxième équation, y plus 2x est égal à 6,5. On remarque qu'on a déjà une expression d'y en fonction de x. Donc, ça donne envie d'utiliser la méthode par substitution, car cette expression d'y, qui est 4x moins 17,5, on pourrait l'injecter à la place de ce y dans la deuxième équation. Et ce faisant, on obtiendrait une équation avec une seule inconnue. Donc allons-y. Écrivons la deuxième équation. Écrivons la deuxième équation, mais à la place d'écrire y, on va écrire son expression jaune ici. 4x moins 17,5. Il suffit ensuite d'écrire le reste de l'équation verte. Plus 2x est égal à 6,5. Alors, prochaine étape, 4x plus 2x est égal à 6x. Donc on va les ajouter ensemble, on met les x ensemble et on obtient 6x moins 17,5 est égal à 6,5. Et ensuite, on va additionner 17,5 des deux côtés pour l'éliminer de ce côté. On obtient donc à gauche 6x et à droite 6,5 plus 17,5 qui donne 7 plus 17, soit 24. 6x est égal à 24. Donc x est égal à 24 divisé par 6. 6 fois 4, 24. Donc 24 sur 6 est égal à 4. X est égal à 4. Ça y est, on a déjà résolu une première inconnue. Et maintenant qu'on a x, il suffit de le remplacer ici et de trouver y. Donc réécrivons l'équation jaune maintenant, sachant que x égale 4. On a y est égal à 4 fois 4 moins 17,5. Soit 16 moins 17,5 qui est égal à moins 1,5. Y est égal à moins 1,5. Ça y est, on a la solution. Mais pas si vite, on va la vérifier cette solution. Pour ce qui est de vérifier l'équation jaune, c'est déjà fait, hein. On a vu ici que moins 1,5 est bien égal à 4 fois 4 moins 17,5. Donc il ne reste plus qu'à vérifier que notre solution marche pour l'équation verte. Donc allons-y. Remplaçons y par moins 1,5 plus 2 fois x. Okay, x est égal à 4, on va remplacer x par 4. Est-ce que moins 1,5 plus 2 fois 4 est égal à 6,5? Ça me semble bien être le cas car on a moins 1,5 plus 2 fois 4, 8. Et moins 1,5 plus 8 est bien égal à 6,5. Victoire, la solution de ce système d'équation est bien x égale 4 et y est égal à moins 1,5.